Salut à tous, c'est Rixon3 pour une update 11 ou 1, ça dépend en fait si je redémarre à zéro ou pas, parce que je filme cette vidéo le 31 décembre et vous savez que pour que chaque année je recommence à 1 mes updates, mais peut-être celle-là, même si je la mets en ligne en 2014, je l'appellerai quand même update 11 et ce sera quand même la dernière de 2013, même si elle sera en 2014, je sais pas, j'ai pas encore décidé. Donc c'est une update de ma prochaine base en construction, donc qui sera le Mach 18. Voilà, donc assez grand, hein, comme vous pouvez voir sur deux étages, et avec donc le Z95 Edhunter, donc qui vous voyez fait toute une plaque grise, hein, sérieusement. Parce qu'on a le bord de la plaque qui est là, et là, vraiment toute une plaque grise. Donc d'abord, je voudrais vous demander aux abonnés que j'ai reçu un commentaire que je ne comprends pas du tout. Alors, donc c'est quelqu'un. Alors, déjà, si on passe le fait qu'il y ait à peu près que chaque mot soit abrégé, déjà c'est complètement con parce que abrégé, bah, c'est du langage SMS. À la base, ça avait été créé justement mais pour les SMS, mais pour les sur les vieux téléphones, on n'avait que 80 caractères par message. On avait besoin d'abréger, aujourd'hui on n'en a plus besoin. Et donc, on peut l'utiliser encore sur les discussions instantanées, par exemple sur Skype où il faut répondre tout de suite à la personne quand elle nous a parlé. Mais là, c'est un commentaire, il avait tout son temps, puis en plus. J'ai l'impression que c'est un commentaire inutile. Bon, c'est pas grave, donc. SLT. Salut. Pour moi, ça veut dire salut jusqu'à là. Les. Alors, les, c'est vraiment le seul mot qui n'a aucune faute. Sauf s'il a voulu écrire les différemment, hein. Peut-être. Mais sinon, c'est le seul mot qui n'a aucune faute. Fan. Alors, les fans, je sais pas. Ça peut pas être les fans, parce que de toute façon, ça pourra jamais se prononcer fan avec un E. Les fans, les. Ça existe même pas comme mot, ça. C'est. Pff, je sais pas. SLT encore, donc gros salut. Rex. Bon, alors Rex, on peut dire oui, c'est vrai, t'as dit, il y a personne qui a une faute. Bon, alors là, je peux dire qu'il y a une faute, mais si je fais vraiment ma pute, parce que il devrait y avoir une majuscule normalement, mais bon, ça, sérieux. On laisse passer. TFQ, si je m'abuse. Donc TFQ, pour moi, ça veut dire tu fais quoi? Et DB. Alors, DB, j'ai pas trouvé, puis même le message a l'air super con parce que salut les, si c'est fan, salut les fans, salut Rex, tu fais quoi? Déjà, c'est complètement inutile. Mais en plus, DB à la fin, c'est débile, donc c'est complètement con, hein, donc je sais pas ce qu'il faut que je réponde. Hein. Je crois que je vais rien répondre. Voilà, ensuite, je voudrais faire une petite pub. Ah, Quentin le Rex, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Voilà, parce qu'il vient de commencer les Lego, il s'inscrit à mon concours. Et bah, d'après lui, je suis... à Rex du 33 pour en faire une pub. Parce que franchement, je trouve que lui, il assure. Je sais pas si... abonnez-vous, enfin, si vous voulez. Je vous oblige pas. Et je vais envoyer cette vidéo à Rex du 33. Et déjà merci à lui parce que il m'a quand même montré beaucoup de choses. Donc ciao. Donc bon, hein, je fais une petite pub. Au début, j'ai voulu le mettre sur la liste d'attente de mes pubs. D'ailleurs, je l'ai fait aussi. Mais bon, là, je lui en fais une. Il était gentil, je lui en fais une petite comme ça dans cette vidéo. Abonnez-vous à sa chaîne Quentin le Rex. Abonnez-vous, il doit y avoir un bouton quelque part par là, on va dire. Puis sa chaîne dans la description aussi. Hein. Et voilà, donc on va passer maintenant au futur mock. Donc je vais vous montrer le rez-de-chaussée. Alors comme vous voyez, comme c'est un mock en construction, il y a du bordel partout, il y a toutes mes boîtes. Ici il y a encore mes gros bacs là. Avec les pièces noires, pièces grises, pièces blanches, les pièces multicolores. Mais bon, donc voilà à peu près comment ça se prend à l'intérieur. Donc j'ai mis que 3 clones pour l'instant, mais c'est juste pour tenter. Donc ici on a une forme coulissante. Bon, rien de plus normal. Ici l'infirmerie. J'ai, voilà comme ça, j'ai refait une cuve de bacta. Je l'avais détruite la dernière. Par contre là elle est directement enfoncée dans le sol. Donc, mais voilà, elle est pas géniale, mais elle est.
ici l'armurerie, donc avec deux étagères comme ça pour les casques, les trucs de sniper, et ici des caisses. D'ailleurs, il y a une autre armurerie en haut. Ici, un petit poste de contrôle. Là, on a une salle pour les clones, donc avec un qui est en train de manger ici. De toute façon, là, ce sera pas du tout comme ça dans le bloc. Là, j'ai juste mis trois bonhommes pour déconner. Et là, j'ai remis ma télé, c'est en vrai ce que j'avais fait. Comme ça. Là j'ai mis un tuyau parce que bon comme je me rends compte que je fais jamais de détails donc j'essaie d'en faire mais j'arrive vraiment pas, donc là j'ai mis un petit tuyau comme ça. Après donc l'étage. Donc ici on a la chambre des clones avec 3 lits, ici des petits casiers, 8 petits casiers comme ça, avec ça alterne les couleurs. Là, un petit placard comme ça. Excusez-moi. Là on a les chiottes. Ici je mettrai une grande table d'hologramme, une salle de conférence et tout. Et vous voyez ici dans le mur il y a des petits emplacements pour mettre d'autres blasters comme il y en a là. Voilà, c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Quentin le Rex. Aidez-moi pour le commentaire de... Comment il s'appelle déjà ? Florentin le Grand. Voilà, mais déjà, ça c'est le genre de message que j'ai même pas envie de lire. Mais bon, là, ça piquait tellement les yeux que j'avais sérieusement envie de vous le montrer. Parce que bon... voilà, je voulais dire aussi bonne année à tous. Et on se retrouve très très bientôt. Je vais pas vous dire l'année prochaine, parce que si jamais je publie la vidéo en 2014, et que... Bon voilà, surtout que même là on est le 31, si je fais le montage aujourd'hui, et que je la mets en ligne aujourd'hui, déjà le 31, les serveurs de YouTube seront surchargés au niveau des uploads, donc le temps pour mettre une vidéo en ligne sera beaucoup beaucoup plus long. Donc ça mettra beaucoup beaucoup plus de temps. Voilà, juste profitez bien de la fin des vacances. Moi je travaille, là. J'ai commencé à retravailler hier, là, des maths. Je vais continuer aujourd'hui les maths. Enfin, je vais finir aujourd'hui les maths, j'ai encore plein de boulot après.